Bonjour à tous, et c'est un autre jeu d'horreur japonais que je vous offre avec The Closing Shift. C'est parti, on va servir du café en japonais, donc let's go. Oh no! Je vais être en retard pour aller au travail. Je devrais déjà être dans ma voiture maintenant. Merde! Bah écoute, c'est parti quoi. Vite, faut aller dans ma voiture. Je vais dans ma voiture, écoute. J'ai des choses à faire moi. C'est quoi ça? On va s'habiller? Je m'habille. Ouais, je m'habille. Hop, petite jupe. Hop, on se lave les mains. Les chaussures. Attends, wait. On a quoi dans le frigo? Oh, j'ai des pieds. Je caresse mon chat. C'est un chat ou c'est une loutre? Bon, y a rien à faire en fait. Hein. Y a vraiment que dalle. Hein. C'est ça mon appartement? C'est tout petit. Hein. Ok, bah écoute, on se casse. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est parti. Let's go to my car. Ah, il fait sombre, hein? Fait jour ou qu'est-ce que c'est là? On sait pas trop. Hein. C'est quoi ça? En fait, il fait vraiment nuit là. C'est où la sortie? Je vois rien. Quoi, c'est coincé? Ah non, c'est par là. C'est quoi ça? Quelqu'un a laissé sa radio ici. Où est ma caisse? Ma caisse. Ah, c'est ça ma caisse? Parti, hein. Très sympathique petite voiture. Bon, je vais pas prendre le vélo. Et c'est quoi ce... Pourquoi j'ai un dictaphone? Je comprends pas. Ouais, j'ai un putain de dictaphone. Qu'est-ce que je dois faire avec ce dictaphone? Je le rends à quelqu'un? Quelqu'un l'a fait tomber. Mais j'ai trop en retard, hein. Bon, j'en ai marre, hein. C'est comme si j'avais un chien et que je ne pouvais pas sortir. Alors que j'en ai pas. Hein? Il y avait un mec, là. Ah, c'est lui, alors. Excuse me. Oh, putain. Oh, putain, il est en délire total. Excuse me. Oi, 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 oi. Qu'est-ce qu'il a à la tête? Hey, est-ce que tu cherches quelque chose? J'ai trouvé ceci. Give me it. Donne-le-moi vite. Bah merci quoi. C'est vraiment bizarre hein, mec, tu fais peur hein. Go to work. Bah putain, je suis full en retard là. Mon boss va me m'enguirlander, ça je peux vous l'assurer hein. Alors je suis arrivé à mon travail, donc on va éteindre l'électricité directement, voilà, hop. Je rentre par la sortie hein. Par l'arrière hein, bien sûr parce que j'ai du respect pour les pour mes employés. Oui bonjour. Ah oui, c'est quoi ça? Attends, okay. on peut parler par une fenêtre. Commande ok, bah en fait non, je vais faire comme tout le monde et rentrer par l'entrée normale si je la trouve hein. Open. Bonjour. Bah écoute, il y a personne. Bonne ambiance en tout cas. Je fais quoi? Par où après? C'est quoi ça? Comment on fait pour entrer là-dedans? Voilà. Ok, nice. On ferme. Put away my stuff and talk to senpai 02. Put away my stuff. C'est ici? Put away my stuff. Je mets où? Put away my stuff. Put away my stuff. Chier, c'est ça? C'est chier, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas quoi faire. Bah, c'est my locker. Ah voilà, put away my stuff, c'est bien ce qui me semblait. And talk to senpai. Sorry, je suis en retard, désolé, j'avais un téléphone à rendre avec un mec invisible. Sois attentive, la prochaine fois, je serai obligé de le dire au manager. Je suis vraiment désolé, je serai attentive. Fais attention, c'est pas assez. Dis-moi que tu ne seras plus jamais en retard. Est-ce que tu comprends? Oui monsieur. Je serai plus jamais en retard. Tu aussi fais un gros bordel avec les commandes. Non, n'est-ce pas? Si tu veux avoir des troubles avec les commandes, il y a des tutoriels vidéo pour toi. Donc regarde bien. Ok, je vais regarder. Oh, et une autre chose. Sois bien sûr de laisser ton téléphone dans ton casier, s'il te plaît. Tu ferais mieux de ne pas envoyer les textos durant tes heures de travail. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Did you say Chilla's Coffee? I've never been to one of these
fancy place before. Avez-vous dit Chillas Coffee? Je n'ai jamais été dans une de ces... endroits hyper fancy. Avant ça, je me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose d'étrange avec cet endroit. Est-ce que vous voulez un latte et un café? Oh, ça sera juste très bien. Je suis très inconfortable avec ça. Peu importe. Combien je dois vous demander pour quelque chose comme ça? Putain, c'est compliqué. Holder stickers. Je comprends ce que je dois faire. ça commence déjà mal. Il m'a demandé quoi? Putain, je sais plus c'est quoi. Merde. Cold cup, un latte. Un latte et un café. Coffee, c'est parfait ça. Ok, super. S'il vous plaît, monsieur. C'est pas ça? C'est pas ça. Le réchauffe au micro-ondes, c'est ça? Pas quoi faire. C'est une paille. Qu'est-ce que je dois faire avec cette merde? On sait quoi? Juste. Tiens ta merde. J'en ai marre. Il a l'air vraiment perdu, le type. Oh, j'ai envie de vomir. J'en peux plus, il faut que je lui parle. J'en peux plus. Non. Je bois de l'eau et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Caramel sauce. T'as pas envie d'avoir une petite pâtisserie là? Vas-y, prends la pâtisserie. Hop, voilà. Hop, et je veux juste que tu prennes ça. S'il te plaît, on dégage quoi. Qu'on en finisse. Prends-le juste en fait. Tu me casses trop les couilles. Bon, je quitte l'établissement. Moi, j'en ai ras le cul. Ah, voilà! Ok, il a déjà eu un truc. Mais ça, je sais pas ce que je lui ai donné du coup. Vas-y, tac. Il te serve. On prend la petite carte. Et voilà, prends bien avec tes mains qui saccadent. Et voilà, tu te casses maintenant parce que tu m'as cassé les couilles, mec. Et tu payes? Oh! Oh, au voleur. Ça dégage maintenant, ça dégage, va-t'en. On va le sauver dans la... Je vais regarder où il habite. Bon, on fait quoi maintenant? Ah, quelqu'un d'autre? Bonjour. Vous avez entendu les news? J'ai entendu qu'il y avait des cas de stalker étaient en nette augmentation dans le quartier. C'est effrayant. Une femme comme moi, vous voyez, je dois être vraiment prudente. Tous ces hommes sont tout le temps en train de mater. Soyez prudente, vous aussi. Je voudrais un dark mocha chip chilapuccino, please. Ok, ben... C'est bon, non? Ah, voilà. C'est bon, madame. Allez, va dormir maintenant. Va dormir. Quelqu'un d'autre arrive, je crois. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est quoi, ça? Vous êtes des jumeaux? C'est un boys band? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Dalton. Un matcha cake, please. Tiens, vas-y, bouffe. Bouffe ta merde, vas-y. Voilà, allez, ça dégage. Les quatre clampins, là, ça dégage. Allez vous branler. Que je vous revois plus ici, hein, boys band. Allez, reviens, lui. C'est qui, ce type? Voici ma commande. Okay, qu'est-ce qu'il veut, ce type? Il veut un latte. C'est parti pour le latte. Le latte, c'est quoi, le latte? C'est un coffee steamed milk. Super. Hop. Bon, écoutez, je vais me refaire là-dedans. Je vais devenir barista. Voilà. Je m'en sors bien, je trouve. Voilà, hop, tac. On y va, hop, c'est prêt, monsieur. Oui, c'est prêt, c'est tout simplement prêt. Voilà, cassez-vous maintenant, du balai, du pervers avec manteau de pervers, je crois. Manteau de pervers, effectivement. Et je suis un investisseur, un détective privé. Il y a plusieurs rapports de personnes qui ont été suivies et agressées. Je me demandais si vous avez vu quelque chose dans le magasin. Appelez-moi si vous voyez si quelque chose se passe. Ok, man. On va balayer alors. Toute ta merde ici. Voilà. C'est dirt. Et non, c'est plus dirt. Tain, ils ont vomi devant moi, quoi. C'est dégueulasse. Ça, c'est les quatre zigotos, là. Ça, c'est la jeune dame, là. C'est chié dessus. Ça, c'est le café latte, hein. Ça, c'est intolérance au lactose, hein, ça. Les Japonais ne supportent pas le lait, hein. C'est terrible. Oh! Oh, c'est quoi cette merde, là? Qui éteint la lumière? Oh là là! Qui a fait ça? Bon, c'est quoi cette merde ici? Qui se fout de ma gueule ici? Viens, qui se fout de ma gueule? Il a acheté tout du lait partout, mais enfin, qui a fait ça? Ah, ok, waouh. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Je fais une sieste, là?
Je faisais une sieste? Attends, quoi? Pourquoi je suis chez moi, là? Pourquoi je me retrouve chez moi? Bah, je me casse, hein, écoute. On soude ma gueule. Et où ma caisse? Je suis morte? Je suis morte. Ah, c'est le deuxième jour? Bonjour, je suis de retour. Hey, sérieusement? T'es de nouveau en retard? Tu as surdormi? Je suis tellement désolé. Non, non, I'm not sorry. Je veux que tu ne sois pas en retard. C'est la deuxième fois. Je suis désolé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère de te réveiller plus tôt? T'as la violence, quoi. Connard, vas-y, prends-toi une porte. Prends-toi une porte, connard. Moi, je me débrouille ici. Je fais tout ce qu'il faut ici. Tu sais, les portes ouvertes. Tu jettes les laits par terre. T'as que ça à foutre. Quoi, il faut encore faire des commandes de merde. En général, cul, hein. Voici ma commande. Putain, mais c'est quoi cette vie? Un coffee. Ok, le coffee, mec. Ça va, mec? Un petit coffee, s'il te plaît. Petit coffee, hein. Hop, hop. Vas-y, prends ta mère et dégage. Putain, il y a un stalker, là. Il y a un mec bizarre, là. On le voit, là. Ah. Hé, hey, jeune fille. Merci beaucoup. Ah ah. Tu as l'air impressionné. Nonito Nihongo Jozumi. I've been living here for more than 15 years. J'ai vécu ici depuis plus de 15 ans. Hé, hey, jeune fille. Quelque chose n'est pas correct à propos de cet endroit. Je parle de ce magasin. Peut-être à cause de ce gars bizarre, là-bas. Oh. Hein? Dans tous les cas, je suis en retard, donc je dois y aller. À bientôt. Ouais, bah dégage alors. Il est nouveau là, cet enculé. Regardez-le. Il est horrible. Il arrive. Là, il s'est pris la porte. Ouais, il a pris une commande là. Vanilla, cappuccino, milk. Plus milk, comment ça, plus milk? Ouais, tu veux du lait? Bah écoute, je te donne du lait alors. Prends ton lait de merde là. Donc je sais pas que c'est toi qui m'as jeté mon lait par terre, s'il te plaît. Je sais très bien que c'est toi qui m'as jeté ce lait par terre hier soir. C'est pour ça que tu me demandes du lait. Voilà, hop, tac. Vas-y, tu dégages maintenant, tu dégages. Prends-toi un mur, c'est ça. Putain, you're cute, can I have your number? Putain. Tu es très mignonne, est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que vous voulez commander quelque chose? Ton cœur. Je pense que je vais aller avec votre recommandation. Dis-moi votre nom. Oh, quel lourdos. Your recommendation will be the limited time only double chocolate chilapuccino. Je vois. What's your phone? Putain, mais dégage, connard. Je suis plutôt mignon, non? J'en permets moi-même. Je suis plutôt populaire ici. Maintenant, c'est ta chance. Mais quel connard. Non, je dis ça, dégage. What's with the attitude? You will regret this. I'm going home. Je vous allez regretter. Je retourne à la maison. Bah, dégage, connard. Dégage, je te crache dans ton cappuccino. Je te crache dessus. Vas-y, c'est ça. Regarde-moi bien. Ici, j'ai des pailles. Tu veux une paille dans ton cul? C'est ça que tu veux? On va souffler dedans, tu vas voir. Tu vas gonfler, mec. La grosse tête, là. Take out the trash and bus table. Ok. Vas-y. On sort les poubelles. Voilà. Et on doit nettoyer les tables. C'est ça? Ça dégage. Putain, il est là, il est garé là, avec sa camionnette de merde là. Pourquoi? Moi je nettoie ta merde hein, ici. Tout ça là, ici là. C'est quoi ça? Cette photo. Oh putain. Il a fait une photo de moi quoi. C'est un bâtard. Ah, j'ai survécu? Toujours pas morte? Super. On se casse alors. Allez, je pars au travail. Toujours en retard, bien sûr. Toujours en retard. Putain, merde. Oh l'horreur, quoi. Putain, elle m'a fait peur.
C'est faut pas arriver comme ça devant les gens, quoi, avec ta poussette. Regarde où tu regardes, où tu vas. Jesus. Les jeunes de nos jours. C'est quoi ton bébé, là? C'est quoi ton bébé, là? C'est quoi cette horreur? Car c'est... Il a quoi à la place des mains, là? C'est des gaufres? C'est des American Waffles? Putain de merde. En plus, tu lui mets même pas un t-shirt, il est tout nu dans sa poussette. Mais c'est quoi, ça? C'est le Japon, ça? C'est n'importe quoi, hein. Allez, je me casse. Ne fais plus peur. On sait où. Voilà. Go to work. C'est quoi ces bruits? Quelqu'un m'observait? Ok. Je vais faire quoi? Ah, il est là? D'un coup, il apparaît? Aujourd'hui, c'est ton premier closing shift. Fermeture, jour de fermeture. Une question. Est-ce que tu as eu des customers étranges durant la nuit? Parce que parfois, on en a. Juste, vire-les s'ils arrivent. Actuellement, je suis effrayé d'être stalké. Ah ah! Tu veux me faire croire que quelqu'un est intéressé par toi? Je suppose que je vais venir t'aider si quelque chose arrive. Ah ah ah! Quel bâtard, les dégâts, je vais te faire foutre. Connard, hein. Oh putain. Oh putain. Salut les filles. Cinnamon roll, churros and a cup of coffee, please. Ok. Est-ce que vous avez mangé autant? Peu importe, si tu deviens grosse. Ok, nice. Vous payez séparément? Ensemble, c'est bien. Un caramel machato, hot please. Ok, got it. Putain, cette commande est à chier. Hein. Strawberry. Voilà. Tac, tac. Ensuite, strawberry churro. Vas-y. C'est pour toi. Et c'est bon, normalement. Allez, ça dégage, les filles. Allez-vous-en. Allez vomir. Thanks. Je vais te payer et je vais te rembourser maintenant. Il y a un mec qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait là? Il pisse sur mes cafés là? Hé! Hey, arrête de pisser sur mes cafés, ils sont bien secs. Tu veux pas faire du café avec ta bite? Non, allez, ça dégage. Ça dégage, mec. Putain, il a quoi sur la tête? Il a un bac collant sur la tête là? Latte, please. À latte. Ça va être 370 yens. Je ne sais pas me le payer. Hein? Ah, c'est un clochard, ok. Oh, très bien. Je vais payer le reste après une fois. Oh putain, c'est le connard d'hier ça. Sois un bon samaritain. C'est ce que me disait mon papa. Il fait froid aujourd'hui, donc prends quelque chose de chaud, non? Oh merci, monseigneur. Oh, et by the way, vous avez vu un fantôme récemment? Non? Je vois. Ah, ils ont eu peur. Pauvre gars. Je vais prendre un vanille à la thé. Vas-y. Tiens. S'il vous plaît, monsieur. Il est parti ou l'autre? Bon. Je colle ma vie ici. Et il se casse. Bus table, ok, on va nettoyer les tables. C'est la fermeture de mon magasin, de mon petit café là. Hop. Allez, on nettoie tout ça. C'est vraiment des porcs, hein. Putain, il y a des poubelles et ils mettent rien dans la poubelle, quoi. Oh, les filles, elles ont déconné, quoi. C'est des crasseuses, là. C'est quoi ça? Oh putain! C'est quoi cette horreur? Il est où? Il est juste là en fait, il est juste ici. Faut aller voir ou quoi? Il est où? Monsieur, vous êtes où?
Ah, il est plus là. Putain de merde. Ferme la porte, ferme la porte. Je vais faire quoi après? Bah, y'a rien quoi. Il est où le type? Ah, il a mis un truc. La première fois qu'on s'est rencontrés, oui, au Chilas, elle m'a souri comme une fleur. Juste penser à elle me fait battre mon cœur. Je me suis jamais senti comme ça avant. Je me demande si elle met un sourire à chacun comme elle l'a fait à moi. C'est quoi ça? Non mais là je vais vomir si je dois encore faire des commandes, hein. Ça va. C'est quoi? Je la connais mieux. Peut-être après ta mère et ton père, je serai vraiment le numéro 1 cette fois. Elle m'a parlé, elle a pris mon téléphone pour me le donner. Je sais qu'elle ressent la même chose que moi. On est amoureux. Aujourd'hui c'est notre anniversaire. Super. Il neige? Moi je me casse d'ici, hein, parce que là, non, ici où j'habite. Et franchement, je vais vomir en fait, si je dois encore faire du café macchiato là. Hein? La voiture ne veut pas fonctionner. Je vais prendre le bus. Oh putain. Oh putain. Il s'est passé des choses là. Il s'est passé des dingueries là. Tu viens de voir des trucs horribles. Pourquoi c'est quoi ce. T'es qui mec? T'es qui mec? Pourquoi tu me regardes? Elle a stressé hein. Elle se sent pas bien. C'est où mon magasin? C'est là? C'est quoi ce bruit? Elle se sent vraiment pas bien. Putain, mais si je dois encore refaire des commandes là, je vais devenir dingue. Hein. Il est où le senpai? Putain, il chie quoi ce type? Oh! Putain! Je dis ça pour rigoler, mais il chiait vraiment, quoi. Putain, tu m'as fait peur, quoi. Laisse-moi tranquille pendant que je suis en train de chier. God damn it. Va au travail. Putain, il court, le mec. On a une commande ici d'un connard en voiture. Voilà, ça dégage. Voilà, tu dégages. Il est où le monsieur, là? Oui? Tu veux quoi, maintenant? Encore un? Il est tout nu? Il est tout nu? Non. Non, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il fait un striptease là devant moi là, c'est parfait. Hey, hey, c'est tellement chaud aujourd'hui. Je voudrais un caramel chilapuccino. Désolé monsieur, est-ce que vous pouvez juste remettre vos vêtements et ne pas faire de scène s'il vous plaît? Hey con, je ne vais pas être ici pour longtemps. J'ai dit je sais pas quoi. Girl, you know. Tu sonnais beaucoup de choses à propos des lois et des trucs, mais je suis juste un mec, d'accord? So, c'est juste le top. Penal code, article 174. Une personne qui commet un incident dans un acte public pourrait être punie. D'un emprisonnement, ok. En ce cas-ci... Putain, mais attends. Ils sont traqués, quoi. J'ai pas envie de lire, quoi. I'm going home. Ok, dégage. Trop de choses à lire, c'est trop compliqué, là. Déjà,
Déjà, la vie est compliquée parce que je dois faire des cafés, là. Ça, c'est insupportable, quoi, hein, lire des lois. Ok, on va cligner les toilettes. D'abord, on sort les poubelles. Les toilettes. Parce que l'autre a chié, en fait. C'est le patron qui a chié, mais oui, voilà. Hein, le toilet paper, il run out. C'est où? C'est censé être où, ça? Ah, c'est là. Ok. On va mettre les toilettes. Toilet paper. Voilà, ensuite tu fais quoi? Quoi ça devant là? Bizarre. Oh! C'est quoi cette merde? 1 minute 40? Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Hein, il a fait une commande, mais pourquoi il fait si noir? Attends, mais il est maléfique! Tu veux un latte? Ok, très bien, écoute. Écoute, je vous fais un latte directement, s'il vous plaît. Voilà, un petit latte. Un petit latte. Je sais pas ce qui va se passer. Je m'exécute. Je m'exécute, monsieur. Aucun problème. Voilà, je connais la recette par cœur, maintenant. Voilà. Votre latte et vous dégagez. Non? Oh, attends, il y a plusieurs personnes, là? C'est quoi le délire? Quoi cette horreur? Ils veulent que des lattés. Ils veulent que des lattés. Ok, on fait le full latté. Je m'exécute, c'est très bien. Allez, c'est parti. C'est parti, hop, tac, hop. Allez. On dégage ici, hein. On dégage. Hop. Un latté. Voilà. On y va vite. On y va très vite, voilà. Hop. En plus, c'est un compte à rebours, je crois. Je crois que si je n'y arrive pas, je meurs. Je meurs dans d'atroces violences, souffrances. Voilà. 13 secondes. Ah quoi, il y en a un autre. Oh putain, il y a trop de trucs là. C'est que des lattés. Ah, mais je suis foutu, hein, moi. Moi, je suis foutu, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette merde? Putain! Je suis où là? Je suis coincé, je sais plus où je suis. Je ne vois plus où je suis. Coincé dans le stock. Putain, mais c'est quoi cette merde? Je vais vomir. Je fais quoi? N'importe quoi, attends, là c'est n'importe quoi. C'est quoi le délire? C'est quoi ce délire? Non. Quoi? Oh putain de merde. Oh putain. C'est ça? C'est un cauchemar? Non, moi j'arrête en fait, c'est pas possible en fait. Tu peux pas faire ça tout le temps en fait. Qu'est-ce qui se passe là?
Ça, c'est moi qui travaille, là. Je refais pas du lait, hein. Bon, voilà, on est le soir. J'ai été me faire vomir. C'était beaucoup trop de baristas, là. Donc, beaucoup trop de café. C'était trop. Donc, je vais aller... On va retourner à notre café, quoi. Hein? Parti. Je pensais être débarrassé, mais je suis pas débarrassé, donc je dois faire mon taf. C'est la neige, hein? Ok, putain, il a neigé, hein. C'est l'hiver, hein. C'est l'hiver sévère, hein. C'est quoi ces bruits? Il y a des bruits bizarres. Très très bizarre, hein, ce quartier. Ma voiture est là-bas. Go to work. Ok, bah j'espère dernière journée à staff de merde, hein. Oh bah c'est joli. C'est joli. On va rentrer par l'entrée principale. Hein? Putain, c'est dangereux ça, hein. Dans le coup, t'es mort, hein. T'es décédé, hein. Ok, c'est parti. C'est quoi ce bruit? Allez. Ah, j'ai oublié mon téléphone? Non. C'est déjà là? C'est quoi ces conneries? Donc, mes suspicions étaient vraies. Je suis content de vous avoir contacté. Appeler la police n'aurait pas aidé. Tout ce qu'ils font, c'est brosser des choses jusqu'à ce que leur travail soit fait. C'est pourquoi vous avez des gens comme moi. Je vais regarder autour et voir si je trouve quelque chose. C'est bien, dégage. Tu ne sers à rien. Les clients arrivent. Mon cauchemar, en fait. Hein. Mon cauchemar, clairement, c'est faire des cafés, quoi. Tu veux quoi? Un salted caramel mocha? Senpai, Sumi, you're not getting salted caramel mocha? Non. Yes. Je veux tester quelque chose de différent aujourd'hui. Comment vous as-tu payé la note? Oh. Aujourd'hui, c'est le jour du photoshoot ou quelque chose comme ça? Est-ce que le store sera featured dans le newspaper? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Quoi? Mais j'ai vu quelqu'un prendre des photos à l'extérieur. Oh! Est-ce qu'il prenait des photos de ce café? Oui, le café and ce quoi? Damn it! Je devrais faire mon make-up. Mais putain, mais je m'en fous! Je m'en fous de ta vie de merde. Ton enfant est à la middle school, right? Oui, et j'adore manger des choucroutes. Oh, ça suffit maintenant. Allez, installez-vous, j'arrive. Déjà que c'est un calvaire de faire ces cafés. En plus, il faut écouter vos conversations de merde. Un latte, vas-y, un latte. C'est parti, le latte. Vas-y, tiens ta merde. Et bon appétit, bien sûr. Bonne dégustation dans nos magasins de qualité. On va pouvoir travailler tranquille maintenant. Me faire vomir dans les toilettes. Allez. Boire de la javel, tout ça. Ça dégage. Ok, ça dégage. Ok, ça dégage vite quand même. Hein. C'est pas mal. Je suis assez surpris. C'est quoi ça? Oh, c'est la dame avec la poussette. Avec son bébé nu. Ferme bien la porte, hein, en arrivant. Hein. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Quelle merde! Ton bébé a disparu? Putain, merde, t'as fait tomber ton bébé. Ok, elle parle pas, elle. C'est quoi ces bruits? Il y a des bruits de... Elle pleure ou quoi? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Elle a perdu son bébé, je crois. Oh putain. Arrête de pleurer, là. J'ai envie de pleurer, moi aussi. C'est son bébé, il est mort. Tu dis pas bonjour? Mais ton bébé, il est où? Ciao. Bon courage. Hé, hey, est-ce que tu es en train de réparer l'antenne du magasin à cette heure-ci? Pourquoi? J'ai vu quelqu'un sur le toit. Ah bon? Quoi? Il ne devrait y avoir personne sur le toit. Ça pourrait être le détective privé, mais peut-être qu'il est en train de chercher. Ça pourrait être aussi être mon imagination. En tous les cas, la boisson s'il te plaît. Bah, je te l'ai donné. Use the ladder and check the roof. The ladder? C'est quoi the ladder? C'est l'échelle? Il fout là, il ferme jamais les portes. Comment je vais là-bas?
Qu'est-ce que c'est? C'est ça? De la dor. Yes. Putain, elle prend des risques, hein. Elle prend vraiment des risques. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Y'a rien, hein. Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi ça? Yes, go down. On là-dedans. Je suis où là? C'est un endroit caché ça? Oh non. Qu'est-ce qui branle? Oh merde. Il vit là-dedans? Il vit dans mon café, dans le débarras? Je dois fermer le magasin. Rapidement. Putain, ça craint les douilles, hein, ça. Ah, il vit là-dedans, l'enculé. Oh, le bâtard. Close the store. C'est un gun, ça? Product scanner. C'est quoi, ça? Et je mets où, ça? La monnaie là. J'attrape la monnaie. Ok, une bonne chose de faite. Ensuite, je vais faire quoi? Nettoyer ou pas? On voit ce que je vais faire avec la. Les pastries là. Je peux tout prendre alors? Ah ça il faut compter. Ok là je compte tout. Ensuite. On jette tout ça à la poubelle. Ah ouais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à la poubelle, quoi. Le gaspillage, tout ça, hein. On vous apprend quoi au Japon? Full plastique, hein. Full plastique. Flip the thing to closed. Ok, nice. Ah. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais dégage. C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Allez, dégage! Appelle la police, prends ton gun! Prends ton gun! Oh les mains! Je vais te scanner ta mère! Je scanne bien ta mère! On fait quoi? Oh putain! On fait quoi là? Call the police, hein? Where's my stuff? Putain de merde! Prends vite son. Son tournevis là! Je fais quoi avec? Je le pointe. Putain, il est plus là, l'enculé. Il est plus là. Le toilette. Vous êtes échappé par là? Non! Oh putain, il est là! Il va me défoncer. Je fais pipi. Je fais pipi. Putain, il est trop chaud. Non. Non. C'est trop long. Chou là. Mike Harkey. Il est là? C'est quoi ça? Oh non, il a tué le détective.
Oh merde. Wait, quoi? Quoi? L'accident. Non. Qu'est-ce que tu fous en fait? La panique, quoi. Oh non! Oh quelle horreur! Il était là! Non! Allez! Appelle quelqu'un, appelle. Où sont mes affaires? Il va me buter. Un tournevis là. Tiens, on prend. Attends, j'ai ouvert quoi là? Ok, on prend l'échelle. Je crois qu'on s'est retourné sur le toit là. Ok, on monte. Ouais, on monte. Je prends une brique. On fait quoi? On fait quoi avec la brique? Pas monter? Ah ok. Il est où là? On peut le tuer? Il est où? Ouais, je peux le tuer là. J'ai jeté la brique. Oh, il est tellement mort. Oh merde. J'ai tué, je crois. J'ai tué un homme. Quand j'ai jeté la brique, il me regardait dans les yeux. Si je n'avais pas jeté, il serait venu, il m'aurait tué. Cet homme était vraiment terrifiant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas le choix. Ça veut dire que je l'ai tué. Je suis effrayé. J'ai couru vers la police. J'ai appelé la police. J'ai expliqué à la police tout ce qui s'est passé. Ils m'ont ramené sur scène. Et l'homme n'était plus là. Il n'y a plus personne. Ils m'ont ramené à la maison et m'ont demandé de me... Ça va trop vite. C'est fini. Je suis fatigué de tout ce qui s'est passé. Je veux me reposer en paix à la maison. Qu'est-ce qui se passe? La connexion est à chier. Le câble est en train de réagir bizarrement de nouveau. Je devrais appeler le propriétaire. Un petit café, un petit latte. Un petit latte macchiato. Hein? Où est mon téléphone? Mais putain. Il est dans ton cul, quoi. Go outside? Il est sur la terrasse. Il est en bas? Oh merde, c'est reparti. Here we go again. Il est dans le parterre, quoi. Qu'est-ce qu'il fout en bas? Je suis où là? Il est où?
C'est ça? Toujours mon porte-tournevis, hein, en cas où. Hein. Je fais quoi avec mon téléphone? On remonte à la maison? Non, c'est par où? Où j'habite. Go back inside. Oh, c'est tout noir. Oh non. Oh non. Il est là. Non. Non! Ça y est. Il m'a eu. Et c'est terminé. Quelle fin tragique, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que vous avez adoré le latte macchiato. Servi froid, bien sûr. Avec glaçon et moutarde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un autre jeu d'horreur ou un autre, une autre dinguerie en tout cas. Portez-vous bien, faites attention à vous, fermez bien le restaurant et prenez bien un tournevis entre les fesses. Bonne journée.